Salut YouTube. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir mes ruches. Parce que là, printemps, en général, on fait une visite printanière. Et j'ai regardé la dernière fois, c'était déjà pas trop mal. Il y avait quelques abeilles mâles qui étaient dans les couvents. Et il faut voir s'ils ont déjà sorti de leur cocon, œuf quoi. Et après il faut faire une division, donc, parce qu'elle est tellement forte la ruche que si je ne ferai pas ça, ils vont se préparer pour essaimer, donc ça c'est à éviter, hein. Donc on va faire une petite juste une visite aujourd'hui, et quand je vais diviser, j'espère que il n'y a pas trop de vent pour que je puisse faire mettre ça en vidéo aussi. Ça pourrait être bien. Voilà, je vais allumer mon fumoir là. Ça, ça fume, hein. Donc après ma présentation, comme je disais, je vais aller faire un peu plus tard quand j'ai un peu plus de temps aussi, parce que il me manque un peu de temps en ce moment. Et voilà. Donc ça se met, je prends ça avec du foin. Et après, avec un peu de l'herbe au-dessus, vous verrez. Alors, je prends de l'herbe verte. Et je les fous là au-dessus, comme ça, ça fait une fumée plus froide. Ça ne les brûle pas après, vous voyez, c'est mieux. Voilà. Bon. Bon, voilà, on a vu. Je vais les prévenir de ma présence. Je vais leur mettre un peu de fumée dessus. Ça, ils ont une habitude, voilà, ils sentent la fumée. Vous voyez, non, on ne se voit pas. Hein. Ils sentent la fumée, donc ils se préparent déjà un peu, comme quoi ça va être ouvert et compagnie, quoi. Et là, on va regarder là-dedans. Là, je mets pas en protection parce que là, ça va grouiller. Hein. Tout de même. Alors, bon, comment va monter? Bonjour. Ah oui, ils ont faim aujourd'hui, tiens. Ça, je les nourris avec du solide encore un peu, mais là, bientôt c'est fini. Et je vais les nourrir avec du liquide, donc c'est de l'eau avec un peu du sucre, entre 40, 50 et jusqu'à 70%, ça dépend. Alors, oula, oula, ça pègle là-dessus. Mais c'est pas trop bien. Oula. La peine de se mettre. Voilà. Ça, ils aiment pas, hein. En plus, il y a du vent aujourd'hui. Là, là, ils ont excité. Hein. Oh, c'est moi, les filles. Pas de soucis. Hein. Bon, il faut inspecter un peu l'histoire. Là, on se calme un peu. Hein. Voilà. Voilà, ça rentre dans les données. Bon, alors, on va commencer par celui-là. Hein. Bon,
Bon, j'ai commencé avec trois cadres hein, en début. Et ça a sacrément donné. Hein. Donc là, il y a du miel. J'en ai pas mal de miel ici. Trois quarts facile. Là, pareil. Beaucoup de miel. Ça, c'est pour eux, hein, le miel là. Ouais, ils sont super excités. Hein. Donc, c'est la journée à côté. Je vais rentrer un peu là. Hein. Là, et tout ça, c'est un couvent. Donc ça, c'est des nouvelles abeilles. Aussi pareil, 70%, c'est énorme. Pour une qui est presque à l'extérieur, c'est vraiment très très bon signe, ça. Là, c'est un couvent de larves. Alors là... Ouais, ça c'est joli ça, ouais. Ouais, ouais, il y a plein de larves, encore un deuxième gros couvent. Oups, ça c'est... Ça c'est une larve qui est descendue. Hein. Ouais, ça c'est quand même très bien ça. Pareil, joli couvent, plein de larves neuves, pas mal de miel. Là, on a aussi quelques mâles. Je vous montre un peu ça. Les mâles, ce sont... ils font un peu des poules avec leur couvent. Allez. Allez, bougez un peu. Hein. Sinon, ça va écraser là. Allez, voilà. Là aussi plein de miel. Oh, pardon. Joli couvent. Ouais, elle est très forte cette ruche quand même, c'est énorme. Ouais, 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 le couvent plein. Là, tout ça, c'est des mâles. J'ai un couvent à mâles ici. Et plein de miel là aussi autour. Ouais, c'est super. Allez. Attention. Aujourd'hui, je vais exciter à fond. Yeah. Un joli son, hein, ce qu'ils font. On va tout mettre là en ordre et on va la fermer parce que là je n'ai jamais vu si exciter. Hein. Je vais être aussi comme je disais à cause de beaucoup de vent les derniers temps.
Attention, ça va coincer, hein? Voilà, par contre, il faut descendre. Hein. Allez, descendez. Quand on leur fout la fumée là-dessus, vous voyez, ils descendent. Sinon, je fais 15 en mettant ça dessus. Allez, ça descend. Désolé pour le dérangement, mais c'est quoi il est faux. Bon. Voilà, je vais arrêter ça et on va se trouver un coin un peu plus tranquille. Alors, comment ça marche, bon, salut. Alors, comme je disais, oui, j'ai pris cette ruche l'automne dernier et c'était comme si comme je disais c'était 3 cadres et là il y a 10 cadres et bien plein et tout super. J'ai traité avant l'hiver avec de l'acide oxalique contre le varroa, donc c'est assez naturel et voilà, ça se met en liquide dedans dans leur couvent quoi. Ça s'arrose quasiment là au-dessus avec une seringue. Et bon, ça a l'air d'être assez bien, donc je vais faire bientôt une division, donc dans 2-3 jours peut-être. Et bon, qu'est-ce que ça donne? Mettre une housse dessus, parce que là ça commence, il rentre pas mal de pollen. Et donc voilà, du pollen, du nectar et tout, pour voir, dans la housse, là on récolte après le miel quoi. Ça on verra aussi quand c'est bon. Voilà, bon... À bientôt alors et portez-vous bien. Ciao.